Oui, on va vous donner aujourd'hui des règles un peu de base. Ensuite, oui. On parlait de l'identité. Pas besoin de dire mon âge, j'ai pas besoin de dire où j'habite, c'est écrit sur mon CV, à la rigueur, enfin voilà, l'employeur me le demandera s'il a besoin. Le dispositif 3 mois pour un job, c'est des entrées et des sorties permanentes. On l'a vu aujourd'hui avec l'intégration de Lynn sur ce nouvel atelier. Ce dispositif, en fait, ce qui m'a apporté, c'est d'avoir un suivi avec Charline. J'ai pu travailler avec elle mon CV. Après ça, Charline a pu me trouver un stage. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir participer à un atelier sur la préparation aux entretiens. On a des personnes du groupe qui sont en phase aussi d'entretien, donc cet atelier tombé à pic, et bien, on est dans les timings. On prépare donc nos bénéficiaires du RSA à l'entretien. Donc on a là de beaux résultats, des personnes qui sont davantage en confiance. Comme aujourd'hui, par exemple, on a se préparé pour l'entretien de travail. Parce que la semaine dernière, j'ai eu un entretien, mais ça a été mal. J'ai reçu une réponse négative. Alors, bonjour, je m'appelle Oussama Al-Kayal. J'ai un bac plus 6 dans le domaine de gestion européenne et les affaires internationales. Je suis là aujourd'hui pour un poste de chef de marketing. On a complètement changé mon CV. Elle était détaillée par l'expérience. Alors, on a suivi un CV à la mode maintenant avec les compétences. Ça a été rapide. J'ai pu travailler sur différents ateliers, donc différents thèmes avec des enfants de 3-5 ans, 5-6 ans. Aujourd'hui, mon projet, c'est d'avoir un poste auprès de garderie ou de crèche définitif. À mon dernier rendez-vous avec Charline, donc on a fait la cible pour les emplois. Et donc elle m'a aidée justement à pouvoir bien cibler ma recherche. Cet après-midi, j'ai un entretien avec la mairie de Saran pour un contrat donc en CDD qui durera 5 mois en tout. Donc j'espère vraiment le décrocher.